Bonsoir et bienvenue à notre émission d'Au féminin pluriel. Habituellement, à Féminin pluriel, on discute plutôt des sujets concernant les femmes adultes. Mais aujourd'hui, on parle encore de sujets féminins, évidemment, mais qui touchent un petit peu plus nos jeunes. On parlera du mouvement des guides francophones de l'Ontario. Dernièrement, les guides du Canada ont eu à prendre une décision à savoir si elles restaient associées au Girl Guide du Canada. Alors, pour bien nous situer, on verra dans un premier temps l'historique des guides. Dans un deuxième temps, nous irons voir les différentes catégories de guides. Et à la fin, on essaiera d'analyser le dilemme qu'elles vivent présentement. Alors, pour commencer l'émission, j'ai avec moi Sœur Claire Dupont. Bonsoir et bienvenue à l'émission. Bonsoir. Alors, Madame Dupont, Sœur Dupont, excusez. On commence avec vous pour l'historique. Finalement, d'où vient le mouvement des guides? D'où est-ce qu'il part, ce mouvement-là? Les guides ont été fondés après que Lord Baden-Powell eut fondé le scoutisme en Angleterre pour les garçons. Et il y avait beaucoup de jeunes filles qui voulaient se joindre au mouvement des scouts. Et Lord Baden-Powell trouvait qu'il voulait que ce soit une organisation essentiellement masculine. Alors, sa sœur et plus tard son épouse, Lady Olav Baden-Powell, a fondé le guidisme en Angleterre. Et au Canada, le guidisme est apparu en 1933. C'était fondé à la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa, sous la direction de Mademoiselle Bernadette Tartt. Pendant, Bernadette me disait elle-même, là, elle rendait témoignage, elle dit que pendant les 8 ans que les guides ont fait partie de la Girl Guides de Toronto, qu'il n'y avait aucune difficulté, mais elle devait se servir de manuel anglais et porter l'uniforme de la Girl Guides. OK. Alors, quand ils sont arrivés ici en Ontario, en 1933, ils pouvaient s'affilier avec, comme vous dites, les Girl Guides, mais à l'exception qu'ils devaient garder, qu'ils devaient avoir des livres anglophones et prendre leur costume aussi. Puis le costume, les Girl Guides. Alors, ça a duré 8 ans. En 1941, là, c'est la génération des femmes qui avaient renversé le gouvernement 17, le règlement 17, qui sont entrées en charge du mouvement. Alors, pendant un autre 8 ans, elles ont ignoré la Girl Guides. Puis, elles s'appelaient les Cheftaines d'Ottawa. Elles fraternisaient avec les Cheftaines de Hull. Puis, elle pouvait faire des rallyes, des camps, comme si elle faisait partie de la Fédération du Québec, qui avait été fondée en 1940. Mais pourquoi vous dites qu'elle les ignorait? Elle les ignorait, je veux dire... Mais elle ne voulait pas, elle ne portait pas l'uniforme. Elle suivait plutôt les directives de la Fédération du Québec, tout en n'en faisant pas partie. Puis, en 1949, dans l'intervalle entre 1941 et 1948, Lady Olav est venue au Canada. Et nos cheftaines d'Ontario ont rencontré Lady Olav, puis ils ont demandé son opinion, puis ils leur ont dit les Girl Guides de Toronto ne voulaient pas laisser partir les cheftaines d'Ontario, celles de Québec. Et c'est avec la Fédération Alors, du Québec. Alors, c'est à ce moment-là que Lady Olav est venue et plaider en leur faveur, là. Oui, là, Lady Olav leur a dit que la Girl Guides n'avait pas le droit de les empêcher de s'affilier à une fédération catholique puis française. Parce que c'était pour ça qu'ils les refusaient à un moment donné? Oui, c'est pas. La vie était devenue difficile entre les deux. Et alors, elles sont entrées, là, avec la Fédération catholique en 1948, à l'automne. Mais au printemps de 1949, le 25 mai, ça c'est une date mémorable pour Ontario, pour les guides d'Ottawa, tout ça. Le 25 mai 1949, tous les guides qui avaient fait leur promesse entre 1941 et 1949 se sont réunis à la grotte de Lourdes de Vanier. Et là, elles ont endossé le nouvel uniforme de la Fédération du Québec. Elles ont renouvelé leur promesse d'allégeance au Québec, puis elles ont reçu l'officier, l'insigne officiel des guides. Bon, alors ça, c'est tous ces 8 années-là. On doit une fière chandelle pour tous les pourparlers qu'il y a eu entre les guides puis la Fédération du Québec, à ma Gertrude Lemire, à Marie Clusio,
voulez-vous que je les nomme? Ernestine Cloutier, Thérèse Marthe, Albertine Cousineau, Jacqueline Cadieux et enfin Mme Aline Grenier. OK. Mais depuis aussi ce temps-là, depuis 1967, l'Association des guides du Canada, guides catholiques du Canada, bon secteur français, a obtenu une charte fédérale la constituant en société canadienne privée sans but, non, sans but lucratif. Oui. Est-ce que le fait d'accéder maintenant aux demandes des Girls Guides, est-ce que ça va faire perdre ces acquis-là qu'on a eus lors de cette charte-là? Bien, après la convention de Winnipeg, là, ça a tout l'air que la Girl Guides veut entreprendre des pourparlers avec les quatre provinces qui se sont dissociées, désaffiliées de la Fédération du Québec. C'est Ontario, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick. Mm-hmm. Ils vont avoir des pourparlers avec la Girl Guides de Toronto. Et ça a tout l'air qu'on va nous laisser ce qu'on avait, ce qu'on a gardé. Nos manuels, notre uniforme, la promesse. Mais on fera partie de la Girl Guide si on peut en venir à une conclusion. OK. Et puis, au début, quand on regardait, là, quand on reprend dans l'historique, là, les apprentissages que les jeunes filles devaient faire à ce moment-là, qui étaient peut-être plus portés au niveau de la couture, de la cuisson, est-ce que ça a changé? Est-ce que les apprentissages ont changé? Est-ce que ça s'est adapté finalement au rythme là, de oui, oui, c'est, des années? À présent, là, c'est du vrai guidisme, comprenez-vous, dans la nature. Oui. Puis, elles sont. Ah, savez-vous, j'ai été avec les guides pendant 11 ans. Je ne me rappelle pas que j'ai fait beaucoup de couture. Alors, c'est, maintenant, c'est, ça a quand même changé, s'adapter. Oui. Là, où, c'est comme. C'est le même. Je dirais le même rythme, le même modèle que les scouts, mais adapté à des femmes. Okay. Je pense bien qu'elles font du bertisme, les scouts, puis les femmes en font moins, mais font d'autres choses. Mais c'est déjà malheureusement tout le temps que nous avons. On vous remercie beaucoup d'être venu à l'émission. Mais j'aurais aimé vous nommer nos chef-tiennes. On n'a malheureusement plus le temps. On vous réinvitera pour une autre émission. Merci beaucoup. Restez avec nous, on vous revient dans quelques minutes. OK. Je suis présentement à l'école de la Vérendrye en compagnie de Mme Lorraine Delangis, qui est commissaire pour les Jeannettes. Ce soir, c'est un soir particulier parce que nous assistons à une montée de guide. Alors, Mme Delangis, en quoi finalement consiste une montée de guide? Une montée, c'est à tous les paliers, à tous les niveaux, les unités. Quand une jeune a fait son stage à cause de son âge, elle est prête à monter à le prochain niveau. Si son taux d'étincelle, rendu à 8 ans, elle a fait sa deuxième année, elle est prête à monter aux Jeannettes. À 8 ans, elle fait 3 ans aux Jeannettes. Monte au guide, ainsi de suite. Alors, tous les paliers, ça continue, et puis c'est ça que c'est une montée. C'est le début de la prochaine étape. Alors, d'une étape à l'autre, si je comprends bien, elles n'ont pas besoin de vivre un certain nombre d'expériences. Ce qui détermine vraiment le passage là, d'une étape à l'autre, c'est vraiment une question d'âge, c'est ça? Définitivement, c'est l'âge. Entre la Jeannette, c'est 8, 9, 10 ans. La guide, 11, 12, 13. Comme ça, 14, 15, 16, 17. Alors, c'est les âges qu'on détermine toujours, toujours dans notre progression avec les jeunes, le futur, où ce qu'ils vont aller. Et puis, est-ce que cette montée-là, c'est fait au niveau régional? Est-ce que c'est fait par paroisse? De quelle façon est-ce que vous procédez? Alors, toutes les paroisses leur déterminent quand ils font leur montée. Ils peuvent le faire en juin ou en septembre, dépendant quand que les autres sont prêts à le faire. Alors, ça prend beaucoup de coordination pour rassembler toutes les unités, pour que tout le monde soit libre le même soir. Alors, c'est vraiment fait par paroisse. Définitivement. Et puis, je remarque que plusieurs d'entre vous arborez une jolie plume. Ça signifie quoi, cette plume-là, exactement? Bien, cette année, on a eu quelque chose de merveilleux en septembre. On a nommé notre lac Vicerois, le terrain Kateri. Alors, quand Kateri est à nous maintenant, avec un beau nom, déjà, c'était au lac Vicerois qu'on allait camper maintenant, c'est au camp Kateri. Pour signifier, camp Kateri, c'est la sainte patronne des guides, Kateri Tekatwita. Et puis, elle, c'est notre une belle petite indienne qui priait pour nous, qui priait beaucoup. Et puis, pour nous autres, les guides catholiques, ça nous symbolise beaucoup. On a une belle signification. Et puis également, je pense que les couleurs signifient, représentent quelque chose, là. Oui. Les plumes, c'est pour la signification de l'indienne. Mmh. Et puis les couleurs, c'est de tous les paliers au guidisme. Alors, dans le moment, les étincelles, c'est orange, la Jeannette, c'est jaune, la guide, c'est bleu, la camsoc, c'est rouge, et l'aînée est gris.
Alors, c'est tous les niveaux que tu peux progresser au guidisme. Alors, c'est vraiment très représentatif. Bon, bien, sur ça, je pense qu'on est prêtes pour aller voir toutes ces jeunes faire leur belle montée ce soir. Bien, oui, moi aussi, je suis prête. Quel âge, les Jeannettes? Quel âge qu'il faut avoir pour être chez les Jeannettes encore? À peu près, je pense que à peu près de 8, 9, 10. 8, 9, 10. Et c'est quoi votre mot magique, votre devise chez les Jeannettes? Votre mieux. Est-ce que c'est facile de faire de votre mieux ou c'est difficile? Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Puis je pense que vous avez 5 lois pour vous aider à faire de votre mieux. Toi, tu les connais, les 5 lois? Pour aider, c'est pavage. La première loi, c'est Jeannette est propre. Jeannette active. Jeannette est fraîche. Jeannette est... Jeannette est joyeuse. Oh, wow! Puis qu'est-ce qui est le plus facile à faire dans ces 5 lois-là? Hein? Qu'est-ce qui est le plus facile à réaliser dans les 5 lois? Toi, tu le sais? Être joyeuse. Être joyeuse, hein? Même par une belle journée chaude comme ça? Ouais. Hein? Ça, c'est pas toujours facile. Chez les Jeannettes, on parle aussi des 3 sentiers. C'est quoi les 3 sentiers qu'on parle? C'est bleu pour la première année, blanche pour la deuxième année, puis or pour... Pour les 3 ans que vous êtes chez les Jeannettes, il y a un sentier pour chaque année. Est-ce qu'il y a des activités spéciales que vous faites pour chacun de ces sentiers-là? Oui? Comme il y a des livres, puis on a des défis à faire. Puis à chaque fois qu'on a fait un défi, on a des italiennes. Puis si on le signe, là, après on a une italienne, après on reprend un autre défi. Oh, wow, c'est excitant, ça! Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, chez les Jeannettes? Ça, c'est d'apprendre à qu'est-ce que c'est à propos des Jeannettes, puis de jouer. Oui. Et s'amuser. Fait que c'est vraiment le plus intéressant pour toi. Une autre, qu'est-ce qui veut me dire que c'est plus intéressant pour elle? Moi, qu'est-ce que j'aime le plus, c'est quand t'apprends des jeux. Oui. Les jeux qu'on apprend. Que c'est des fois, c'est les Jeannettes qui nous demandent, des fois, c'est les animatrices qui nous demandent. Ça, c'est ça que j'aime le plus. C'est vraiment agréable. Mais merci beaucoup, les filles. À la prochaine. Bye. Je suis présentement en compagnie des guides et moi, les filles, j'aimerais savoir, là, c'est quoi la devise d'une guide? Sois prête. Sois prête. Et je pense que vous avez des lois aussi à l'intérieur d'un guide. Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent quelques-unes? La guide est vraie. Mm-hmm. C'est-à-dire, on est honnête. Puis, tu sais, t'as pas mentir. Puis, je sais pas, être vrai avec les autres personnes de la compagnie. Est-ce qu'il y en a un autre qui pourrait m'en nommer une autre loi que vous avez? La maîtrise de soi. Pas essayer de contrôler tes émotions, tu sais, pas trop. Ouais. Est-ce qu'il y en a une autre loi? Toi? Toujours prête. Être toujours joyeuse, puis là pour aider. Puis... Je pense que aussi, vous avez fait une promesse, hein? C'est quoi cette promesse-là, toi? Bien, on promet d'être guide, puis toutes nos lois qu'on a. C'est bien juste de dire qu'il faut qu'on promet de les faire chaque jour. Est-ce que vous promettez de faire une bonne action? C'est ça votre promesse que vous faites? Oui, chaque jour, il faut qu'on fasse une bonne action. Est-ce que c'est difficile, ça, faire une bonne action à tous les jours? Ah, si. Mais après, tu peux embarrer ta soeur dans le conseil ou quelque chose. Est-ce qu'il y a une bonne action qui est plus facile qu'une autre à faire, une loi qui est plus facile à respecter? Mais moi, je trouve que les bonnes actions, c'est pas trop difficile. Quand moi, je suis ma troisième année de guide, puis je trouve ça que... Quand tu vois qu'une bonne action s'en vient, ça vient naturellement. Comme disons, tu veux aider quelqu'un, quelqu'un demande ton aide, mais tu les aides automatiquement. Tu es tellement habitué à aider les gens que ça vient naturellement. Ça vient naturel, tu y penses plus. Bon, il y a les bonnes actions, il y a des lois, mais vous faites d'autres choses aussi. C'est quoi les activités principales qu'on fait chez les guides? Bien, s'amuser. Ça, c'est important. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on fait? Bien, comme on s'amuse dans tout ce qu'on fait, mais des choses plus particulières. Est-ce que vous faites des excursions, des camps? Exactement, qu'est-ce que vous faites? On fait du camping. On fait plusieurs activités comme des... On fait des marathons. On avait comme un garbage tour. C'est qu'on ramassait le plus de poubelles, puis on avait touché des commanditaires pour dire combien de poubelles on pouvait ramasser, puis ramasser des poubelles, puis tout ça. Puis
C'est des activités vraiment intéressantes. Est-ce que vous avez appris à vous servir d'une boussole également? Oui, oui. Un camp de printemps, on avait... C'est pas mal. Il y avait plein de bibittes, là, mais ça va être difficile. Bon. Ils nous montraient toutes les techniques de la boussole, puis comment le mettre. C'est vraiment intéressant. Oh. Je vous remercie beaucoup, les filles. À la prochaine. Compagnie Guide, je te confie à l'équipe des Castors. Présenté. C'est une très bonne Jeannette, on va devenir une très bonne guide. Il y avait l'équipe des Castors. Je suis présentement en compagnie des Kamsouk. Allô, les filles. Que signifie exactement le mot Kamsouk? Kamsouk, c'est un mot montagnier qui signifie en huron, dans la langue huron, au-delà des rochers. Puis, je pense que pour nous, ça nous signifie d'aller plus haut que nous, de se dépasser, puis aller jusqu'au bout de tout ce qu'on entreprend dans notre vie, non seulement Kamsouk, mais dans notre vie quotidienne aussi. C'est la même chose pour toi? Kamsouk signifie un peu la même chose qu'elle, finalement? Oui. Je pense que Kamsouk, c'est comme se dépasser les possibilités qu'on peut, puis explorer des nouveaux niveaux pour nous qu'est-ce qu'il y avait au guide. Et puis, je pense que vous avez du service communautaire à faire aussi, si je me trompe pas. Dans quel genre de service est-ce que vous devez faire? Du bénévolat. On était au Festival des sucres. On fait beaucoup de bénévolat. On aide. On rend service. C'est ça notre but. On essaie de faire le plus de services possible. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que vous pouvez me noter des services que vous avez rendus à la communauté? Bien, on s'occupe des brunchs de l'église, de la paroisse Notre-Dame-Saint-Esprit. Puis, on fait du bénévolat plus ou moins pour la ville de Vanier. Bien, c'est à peu près ça. Est-ce que vous avez des lois, des choses à respecter aussi chez les Kamsouk? Il y en a 10. On appelle ça des trikounis. Comment t'appelles ça encore? Des trikounis. Oh! Okay. Et puis, c'est divisé dans 5 sections. C'est moi, la deuxième, c'est l'autre. Après ça, il y a la société. Et puis, pardon? Avec Dieu. Et puis, c'est à peu près ça, ce que je me rappelle. Puis, on essaie aussi de se garder en ligne, aussi de se rappeler, puis de les mettre en pratique aussi souvent possible. Est-ce qu'il y en a une de ces lois-là qui est plus difficile que les autres à se respecter, à vivre, là, finalement? Il y a aussi moi et l'autre. C'est apprendre à travailler en groupe avec les autres. Et puis, c'est facile, mais c'est la chose qu'on travaille le plus ensemble. C'est ça. Bon, puis on sait que présentement, vous vivez, les guides du Canada vivent un dilemme. Ça va vous affecter, ça, vous, dans votre futur. Qu'est-ce que vous pensez de ce dilemme-là? Comment vous viviez ça? Moi, j'espère rester guide pour longtemps et puis plus tard devenir animatrice. Et puis, je ne veux pas se séparer. Mm-hmm. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Mais... C'est un petit peu inquiétant. Oui. Puis, c'est la même chose pour toi? Oui. Moi, ça fait pas longtemps que je suis ici, mais je sais que j'aime beaucoup ça comme question en ce moment. Moi, ça me dérange pas vraiment d'avoir des garçons et des filles. ça me dérange pas vraiment. Puis, j'aime beaucoup ça comme question en ce moment. Je vous remercie beaucoup. Merci. Ma prochaine invitée pour ce soir est Mme Shirley Dorion. Mme Dorion est commissaire diocésaine du diocèse d'Ottawa. Bonsoir et bienvenue à l'émission, Mme Dorion. Bonsoir, France. Bonsoir. Alors, nous, on va parler un petit peu plus du dilemme. On sait que l'Association des guides francophones du Canada vient de décider de quitter les rangs des Girls Guides of Canada. Quelle en est la raison exactement de ces désaffiliations-là? Bien, à Winnipeg, quand on est allé pour le vote, c'était pour voir si... on restait avec la Girl Guide, mm-hmm. ou on allait ailleurs. La majorité a voté pour la désaffiliation avec la Girl Guide, qui veut dire, pour le moment, personne n'appartient nulle part. Bien, on est à statu quo, là, okay. Mais on ne sait pas pour combien longtemps. Mm-hmm. L'Ontario, Manitoba, Nouveau-Brunswick puis Nouvelle-Écosse vont négocier avec la Girl Guide. Mm-hmm. Pour garder ce qu'on a présentement. Mais quelle était la raison de ce... pourquoi les gens... C'était l'homogénéité féminine. OK. C'était ça. C'est parce que le Québec avait un grand nombre d'hommes et de jeunes garçons dans leur rang. Mm-hmm. Et puis la Girl Guide ne le voulait plus. Puis ça faisait des années qu'elle nous le disait. Mm-hmm. Puis là, maintenant, ils nous ont donné un ultimatum.
qui veut dire que c'était soit qu'on vote oui, on gardait les hommes, non, on ne gardait pas les hommes, puis bien... À quel niveau œuvraient ces hommes-là, là? Je veux dire, étaient-ce certainement des... À tous les paliers. OK. Commissariat, ou animateur, chez les comités protecteurs. Il y avait aussi des garçons avec les jeunes filles. Il y avait quand même aussi plusieurs hommes qui étaient hommes et femmes, qui faisaient partie du même... finalement, qui voulaient faire du bénévolat pour la même cause, je crois, aussi. Mais au sein de l'animation, c'est ça, oui. OK. Finalement, bon, il y a quand même un prix à payer de cette désaffiliation-là. Pour ceux qui, celles, je devrais dire, qui veulent se désaffilier, c'est quoi le prix à payer? Qu'est-ce qu'ils vont perdre comme service, ces gens-là? Bien, ceux qui ne veulent pas négocier avec la Girl Guide perdent le nom. Ils ne pourront plus se servir du nom guide. OK. Ils ne pourront plus se servir... Qui est reconnu mondialement, exact. Finalement. Okay. Exact. Ils ne pourront plus porter la croix guide. Mm-hmm. Puis tous les autres médailles qui font partie du mouvement guide, parce que ça appartient à la Girl Guide, à cause du trèfle. OK. L'uniforme, bien ça, on ne le sait pas. La majorité, ceux qui ont... Nous, on n'a pas nécessairement voté pour la désaffiliation. C'est juste qu'on a perdu le vote. Oui, oui. Mais ceux qui ont... La majorité, eux, vont garder... tout est en statu quo pour le moment. Okay. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils perdent, qu'est-ce qu'ils gardent à ce sujet-là. Mais qu'est-ce qu'ils perdent, certainement, c'est le nom guide, les médailles, la croix guide, qui est très chère à tous les guides. C'est très difficile, c'est très triste. D'avoir à perdre ça, là, finalement. Oui. Et puis, bon, ben le fait de... Bon, vous allez renégocier, mais justement, bon, tout est à négocier. Mais quels sont les avantages de même repenser à une négociation avec les Girls Guides au niveau des services? Allez-vous avoir des services bilingues? Comme c'est quoi les avantages de s'affilier avec cette Bien, se réaffilier. Oui, se réaffilier. Parce que c'est le même... Ce serait la même chose. C'est qu'on ne perdrait rien. La Girl Guide nous a assuré, d'ailleurs, elle nous attend les bras ouverts. Okay. Elle nous a assuré que les négociations feront partie. Qu'est-ce qui fera partie de la négociation, je devrais dire? C'est l'uniforme. Elles savent qu'on veut garder notre formation. Qui est différente de la leur. De la leur, c'est ça. Notre formation nous est très chère. Notre uniforme, nos médailles, nos croix guides, notre croix guide, c'est très cher. La seule chose que les gens perdent, c'est l'homogénéité. Nous, on garde l'homogénéité féminine, puis ceux qui se sont désaffiliés, qui vont rester désaffiliés avec la Girl Guide, auront leurs hommes et leur mixité. Ils vont devoir s'affilier avec les scouts, je crois, c'est ça? Je crois que les négociations vont avoir lieu avec les scouts, oui. OK, c'est en sens. Ils vont se faire assimiler chez les scouts. OK. Quand vous parlez justement d'homogénéité féminine, c'est pas quelque chose de nouveau là, qui est revendiqué finalement par les Girls Guides. Ça fait nombre d'années. Pourquoi pensez-vous que, bon, aujourd'hui, là, plus qu'il y a peut-être 10-12 ans, ils ont décidé que c'en était assez? Est-ce qu'il y avait d'autres choses rattachées à ça qui désiraient moins ou vraiment le seul problème qui était rattaché à ça, c'était l'homogénéité féminine? Je crois que oui. Je crois pas que les Girl Guides avaient rien à rire de ça. C'est que ça faisait déjà plusieurs années qu'ils nous disaient de respecter les normes. Puis, puisque ce n'était pas fait dans 10-12 ans, elles nous ont donné l'ultimatum. C'est la seule façon que fallait qu'on décide qu'est-ce qu'on voulait dans la vie chez les guides. Puis, la décision a été prise la fin de semaine du 3-4-5 juin à Winnipeg. OK. D'après la directrice générale des guides francophones du Canada, la position des guides, des Girls Guides, pardon, allait à l'encontre même de l'évolution sociologique et culturelle des membres guides francophones. Quelle est votre opinion par rapport à ce qu'elle a annoncé? Bien, je crois que la femme a sa place. Puis je crois que c'est important que la femme sache prendre sa place. Nous, on enseigne le leadership de la femme. Ces jeunes personnes-là, ces jeunes femmes-là, vont devenir les leaders de demain. C'est important qu'ils sachent prendre leur place. Puis s'ils sont avec les garçons, c'est très difficile. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que, comme Marsha Ross a dit à sa dernière entrevue, la jeune fille va être dans la cuisine faire la popote pendant que le garçon va être en train de monter la tente.
Puis les filles sont très capables de monter une pente pas. Très je facile. Je crois pas. Ça se fait jamais, ces choses-là. Non, jamais. Mais la femme, la jeune fille, notre jeune Kamsuk, fait autant que le scout aujourd'hui. Puis c'est émerveillant. Moi, j'encourage la jeune de dépasser ses capacités, d'essayer de trouver sa capacité. C'est important que la jeune fille le trouve. Puis c'est pour ça qu'il faut qu'elle trouve sa place. Puis c'est important que ces jeunes personnes-là peuvent réaliser qu'ils sont en gang avec les filles et puis ils ont quelque chose en commun. C'est plus la compétition d'avec avec le garçon. Okay. Tout partout, les écoles, c'est tout. Il y a toujours des garçons. Là, maintenant, c'est fini. Là. C'est juste comme ça devrait être. Les filles qui se connaissent, qui se comprennent, puis travaillent ensemble. Et puis vous, finalement, un des buts du Guidis, c'est de développer le leadership chez les jeunes filles. Mais pour vous, quand même, garder votre francophonie, garder votre financement, avoir votre propre droit à l'autogérance, c'est encore important et ce n'est pas un droit que vous avez envie de perdre allant avec les Girls Guides. Et vous ne vous sentez pas menacée du tout, de ce côté-là. D'ailleurs, ils nous ont dit que ce n'est pas quelque chose qu'ils vont nous enlever. C'est toujours... C'est juste... Les négociations, il faut qu'elles aient lieu. C'est évident. Puisqu'on est désaffiliés. Mais je suis très confiante qu'à cause de la désaffiliation, on a tout perdu, mais on va tout reprendre avec la Girl Guide. Je suis très confiante. Oui. Bon, bien, merci d'être venue à l'émission, d'avoir un petit peu éclairé notre lanterne sur ce dilemme qui touche le mouvement guide. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous, on vous revient dans quelques minutes. Alors, on se rend bien compte que même si le vote est prononcé, le dilemme, lui, n'est pas tout à fait résolu. Tout reste encore à négocier. Quoi qu'il en soit, les Guides du Canada continueront sûrement de remplir leur mandat, qui est de permettre à des jeunes filles de vivre des expériences entre elles et, par la même occasion, de développer leur leadership. C'était malheureusement notre dernière émission de la saison, mais nous prenons l'été pour vous concocter notre prochaine saison, qui sera sûrement des plus intéressantes. C'est un rendez-vous septembre prochain. Soyez des nôtres.